Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la carrière aux Rangers. Aujourd'hui on va se battre contre Tottenham en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Ça va être très serré et j'espère qu'on va pouvoir gagner. C'est parti. Allez, les 8ème de finale. Allez, c'est le plus important. C'est parti. Soyberg. Skent. Oh, coup franc. Oh, penalty. Je croyais que c'était coup franc, c'est penalty. La faute. Bah, c'est un peu sévère. Ah non. Bah non. Quand on voit à vitesse réelle, c'est sûr que ça surprend un peu. Je pense qu'il va aller côté droit. Et attention, on va essayer de l'avoir. Et c'est fait. 1-0 pour les Rangers. Tottenham qui se prend un but dès le premier quart d'heure. Et c'est le but de Kent sur penalty. Celui qui l'a provoqué, c'est lui qui l'a marqué. Oh là là. Elle est bien tirée. Pas sûr que le gardien pouvait l'arrêter. Et on ouvre le score. Ah, c'est compliqué de l'arrêter. Dest qui tacle, ça suffit pas. Hier, yeah, attention au centre, Ali. La tête de Ali. Oh, ça suffit pas. Il était bien là. C'est Harry Kane. Je crois. Pas sûr. Non, c'est pas Harry Kane. C'est Anderson, Van de Beek, je ne sais pas, on va voir. C'est Brozovic qui marque. Enfin, je le connaissais pas. Son pour envoyer en arrière. Soyberg qui voulait passer vers Sarlot, mais finalement qui n'a pas avancé. Sarlot qui récupère. Sarlot pour la petite passe pour Adji qui termine parfaitement 2-1. On reprend l'avantage face à Tottenham à la 43e minute. Quel but! Quelle reprise de Hadji! Et Camara qui est fatigué, on va peut-être le changer. Allez, erreur du gardien. Il s'est trop déplacé vers la gauche. Et Hadji a déposé ce ballon sur la droite. Et Perrin qui est battu par Hadji. 2-1. Allez, il y croit avec ce changement. Van de Beek a un carton jaune, il va relancer très vite les joueurs de Tottenham. Et c'est fini. C'est fini, on s'impose pour ce premier match. Ce match aller face à Tottenham. Et c'est une bonne victoire qui nous revient parce qu'on la mérite. Et égalité entre Tottenham, entre le Real et Liverpool. Et on va pouvoir passer au prochain match. Allez, on va partir pour ce match de championnat face à Hamilton. Dans la tête. Et faute. Camara. Et la petite passe, elle est parfaite. Dodo. Le petit centre. Pour Dolberg, et c'est parfait. Dans la construction et dans la finition, Dolberg qui marque. Et le coup franc joué très vite. On va le revoir. Hein. La petite passe rapide. Dodo qui passe. Le centre. Et la tête de Dolberg pour finir. C'est superbe. Vraiment bien joué. 20ème minute, on mène 1-0 et le 10ème but pour Castelbo-Dolberg. Mertensen, qui sait où l'a passé, et il peut finir, Abrahamson. Oh là, qu'est-ce qu'on joue bien en ce moment, le centre, il est parfait. Le but de Abrahamson. Mais quelle passe de la part de Mertensen. Les Suns, c'est un peu compliqué. Après, la reprise est facile. Même si on sait que c'est compliqué des fois. Mais là, elle est parfaite. Pour battre le gardien. 2-0. Et le but de Abrahamson. La tête. Arnaud de tir. Knudsen. Dolberg. Ah, ça combine bien depuis tout à l'heure. Voilà. Ça combine bien depuis tout à l'heure. Ça combine. Et cette fois, ça fonctionne avec le but de Knudsen. Entre Dolberg et Knudsen, ça fonctionne très très bien. Et cette fois, c'est une frappe qui finit au fond des filets. Tout à l'heure c'est passé à côté, mais là, oh là là là, quel but! Et Hamilton qui a complètement abandonné, hein. Il nous laisse marquer depuis tout à l'heure là. Il nous laisse prendre nos positions et ça fait 3-0 maintenant. Bolton. Verdelberg. Bronson,
par-dessus. Toute seule, Bordelberg, et voilà. Comme je l'avais dit depuis tout à l'heure, il nous laisse marquer. Cette fois, c'est Dolberg qui peut enchaîner avec ce but magnifique. La tête. Et encore une fois, c'est un service de la tête. Et après, bah, il enchaîne tout simplement. Et très facilement. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. 4-0. Dégagé, ça va être fini. C'est fini. L'arbitre qui siffle. Face à Hamilton. Un match plutôt... Allez, on revoit là. Avec Martinsson qui aurait pu marquer. Mais l'arrêt. L'arrêt un peu facile. Un peu trop facile même. Face à un Martinsson qui est... Elle fait un exploit avec ce geste technique. Voilà, on va passer au prochain match. Alors voilà, on a un petit jeune. Un peu devenir spécial qui vient d'arriver. Donc j'ai recruté pour voir. Et finalement, il est bien peu devenir spécial. Il est norvégien. Il a 17 ans. Il est beau, il est puissant. Il s'appelle Aslak Peterson, le MG-MOC. Il est nouveau. Il va être, je pense, titulaire, peut-être dans le prochain match. Le prochain match, c'est un match de Coupe d'Écosse. C'est un quart de finale. Allez, c'est parti. Face à Livingston, hein. Allez, on a Peterson en MOC aujourd'hui. J'espère qu'il va nous faire des miracles, parce que c'est un match décisif. En même temps, il est resté un peu longtemps dans le centre de formation. Il n'a pas bronché une seconde. Allez, Dolberg. Dolberg, le centre, il est parfait! Dolberg et Martinsson, deux fois penalty. Penalty, je crois. Mais il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucun bruit, mais il y a penalty. Allez. On va essayer de faire quelque chose et le but. Dolberg, le but. Sur penalty encore. Les Rangers qui s'imposent. 1-0 pour l'instant face à Livingston. Ou Johnstone. Je crois que c'est Johnstone. Ouais, c'est Johnstone qui se prend ce penalty. Ah, le but de Dolberg, le gardien qui est parti du mauvais côté. Et le but. Le troisième but. Le quatrième arbitre qui indique. Camara. Petersen. Qui essaie de faire un débordement, mais il va très vite, oui. Petersen, le centre, il est parfait. Et voilà. Petersen. Qui permet d'avoir un autre penalty. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas si c'est une main ou une faute. Et il va retourner du côté gauche, j'ai l'impression. Et oui, 2-0. Il ne tremble pas au penalty. Kasper Dolberg, 2-0, le doublé dans ce match sur deux pénalties. Il a dit où il allait le gardien. Et après, bah, la frappe a été parfaitement placée. Le gardien ne pouvait rien faire. Ça fait 2-0. Test. On va jouer tranquille jusqu'à la fin. Isaac. Et Petersen! Oh, l'arrêt de Parish. Et c'est fini. Dommage. On a tenté. On se qualifie quand même. Avec ces deux pénalties. On a tenté. Hein. Et 2-0. Oh bon. On s'est qualifié pour les demi. C'est tout ce qui compte. Alors, qui c'est qui s'est qualifié avec nous? Alors, Denis United a battu Kilmarnock. Ok. On se bat contre eux pour le dernier match de cet épisode. Le Celtic passe face à Hibernian 1-0. Mauvais World perd face à Los County. Et Johnson perd face à nous 2-0. On le sait. Et on va passer à un autre match de championnat. Let's go. Merci pour le match face à Mauvais World. Attention le tacle. Il a bien fait de sauter. Récupération. Pas une fois, mais deux fois. Et test Magnusson, l'erreur, oh là là, l'erreur défensive, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un 1-2, et finalement, en fait, c'est Magnusson, quand il a voulu récupérer, qui, sans faire exprès, j'imagine, a fait une passe, et c'est Hansen qui s'est fait prendre un contre-pied. Oh là là, ça permet un moment
Nouveau score. Campbell. Campbell. Allez, attention, le contre-favorable. Oh là là là. Oh là là, le contre-favorable, mais ils ont trop de contre-favorables Overworld. La réussite totale. Et c'est l'ami Amy pour marquer. 2 à 0 maintenant pour eux. Et ouais, ouais le mec. Il fait la tête. Il sait exactement où. Oh là là là. Et c'est Hansen qui n'a pas pu l'arrêter. Et nous, on n'arrive pas à attaquer. On n'arrive à rien aujourd'hui. C'est compliqué. Il va falloir essayer de tenir. Gudmundsson. Gudmundsson. Soyberg. Sarlot dans la surface. Allez 2 à 1. On essaye de revenir. C'est toujours très compliqué. Mais Mobbleworld a enfin succombé à nos frappes. Et cette frappe, c'est celle de Sarlot. Et on est fatigué. C'est à cause de Gudmundsson là sur le côté droit qui perd tous les ballons. Il est fatigué, donc on va le remplacer en deuxième mi-temps. Allez, le but de Sarlot qui fait du bien, c'est pas terminé. Attention, Paulson, Isaac, Hadji. Hadji qui peut marquer, c'est touché, c'est pas fini. Et c'est l'égalisation, il vient juste d'entrer, c'est Isaac à la place de Sarlot. Quel but. Et voilà, c'est pas terminé, c'est pas terminé. On revient. Cette frappe de Hadji détournée par le gardien, mais c'est pas fini. Et... ouf. Le défenseur qui l'a touché. On peut dire que c'est un CSC, mais ça compte pour Isaac. Avec 49e minute, on égalise. Il y a le but. Allez, attention, Isaac. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh oui. Et le doublé de Isaac. Quelle remontada, quelle remontada de la part des Rangers. Mobbleworld qui ne s'y attendait pas qu'on fasse rentrer trois joueurs qui allaient changer le match. Oh, l'illumination parfaite. Et voilà le pied droit de Isaac qui permet de détruire cette défense. 3-2. Face à Mobbleworld. De l'entraîneur dans sa zone technique, il est content d'être devant ce match. Allez, allez. Avec Burnson. Côté gauche maintenant, ils avancent trop vite. Les joueurs de Mobbleworld. Kent, qui voit en retrait ce joueur qui est Burnson. Récupération de Hadji. Il s'active tout seul, Carlsen aussi. 4 à 2. La punition pour Mobbleworld. Et oui, il ne s'y attendait pas, il comptait marquer pour égaliser, mais non. Quelle bonne défense, on s'est donné à fond. Abelson, Hadji et même Isaac. Sauf que Carlsen était là sur le côté droit. En position de renard des surfaces. Pour battre le gardien et toute la défense, personne ne l'avait vu. Mais Carlsen avait bien vu cet espace pour le 4 à 2. Et Burnson qui ne peut pas dégager non plus. Attention. Compliqué. Compliqué. Ce tacle. Et le but. Bon, je vais pouvoir passer. Je vais pas mettre de musique. Et ça va être compliqué jusqu'à la fin. Allez, on y croit. Miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que allez. Viennent de marquer, viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Kent. La passe pour Isaac. Isaac qui peut y croire. Y croire pour cette équipe des Rangers. C'est pas fini. Et c'est fini cette fois. Quelle remontada, quel match. 4-3 au final. Cette rencontre qui a été folle jusqu'au bout. Oh là là, on a été mené 2 à 0. Ensuite, on a fait la remontada jusqu'à 2-1, 2-2, 3-2. Et ensuite, 4-2. Et 4-3. Bon, après, c'est normal, en fin de match, on a eu du mal. Allez, on va passer au prochain match. Match retour face à Tottenham. Après, on aura, pour le dernier match de cette vidéo, un match face à Dundee United. C'est parti. Allez. Et oui, c'est fini. Voilà. 0-0, mais on passe. On passe. Parce qu'on avait gagné 2-1 sur le match aller. Oh là là. Ça a été compliqué, mais on a réussi.
On a réussi, on va pouvoir faire le match face à Dundee United pour finir cette vidéo. Alors, on va pouvoir voir ce qui s'est passé. Alors, quand a gagné 1-0 au match aller face à Villarreal, ça n'a pas été joué. Le match retour, le match aller pour le Barça, c'était 2-1 face à l'Inter et donc 2-2 entre le Real Madrid et Liverpool qui avait fait 1-1 au match aller. Donc là, c'est la victoire via au but à l'extérieur. C'est le Real Madrid donc, qui passe. Et donc, alors United a gagné au match aller face au Bayern 4-1. Ouh là là, et attention, il y a United qui est vraiment très très chaud hein, en ce début de saison. Dortmund qui est passé 3-0 face à Naples, 1-0 pour City face, face à la Juve, l'Atlético qui a gagné 2-0 face au Benfica. Après c'était un peu logique face au Benfica. Allez, on va partir pour le match face à Dundee United. Le dernier match face à Dundee United, toujours l'objectif hein, des 3 points et puis avancer dans cette saison qui pour l'instant nous sourit. Hachi pour Sarlot, direct, une occasion l'arrêt de Sagrist. Hachi, le corner, la tête, et c'est pas fini, c'est penalty. Penalty, qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface? C'est une faute. C'est une faute sur la tête, j'imagine. Ah, sur l'action au moment de faire la tête. Je sais pas, je vois pas la faute, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? Allez, on va tirer côté droit, on va bien voir ce qui se passera. Et c'est bon, ça passe. Pour Kent, 1-0 face à Dundee United. Cette occasion qui s'est transformée en penalty. Ce corner qui nous a donné cette ouverture du score qui nous fait plaisir. Et qui nous permet de mener ce dernier match. Qui se passe plutôt bien. Allez, 1-0 pour les Rangers. Avec Hadji. Il arrive à passer. Avec Sarlot et Hadji derrière pour finir. 2-0. Face à Dundee United, on prend l'avantage. On prend... en fait, on fait le break, quoi. On est bien. Il y a 2 buts d'avance. Avec un petit peu de réussite, c'est vrai. Et c'est un 1-2 parfait. Et le but de Hadji pour finir. Il n'y a plus de défenseur. 2-0 maintenant. Ça va fonctionner, hein, mais... Allez, Eriksen qui va pouvoir faire ce corner. Et non, dommage. Bah, j'ai tenté de mettre un corner rentrant, mais malheureusement, j'ai pas pu. Voilà, on gagne 2-0 ce dernier match de cette vidéo. Bernen qui s'est imposé 3-0 face à Saint-Pinrien. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas sans raison. Alors, c'est vrai, ils auraient dû l'être. Comment j'ai vu les joueurs? Ils ont bien joué, c'est vrai. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Et puis voilà, on a 83 points. Ah, on a quasiment 20 points d'avance, quasiment. Donc en Ligue des Champions, on a déjà vu le résultat, mais on n'a pas vu en Ligue Europa ce qui s'est passé. Alors, Le Havre a fait égalité face à Everton, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui s'est qualifié. Leipzig va sûrement passer face à l'OM. Monaco qui a fait égalité face à Séville. On va regarder avec le français en priorité. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-1 face à la Lazio de Rome. Lyon s'est imposé 2-1 face à Arsenal. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres clubs français. Ensuite, il n'y a pas autre chose là. Scottish Cup, Coupe d'Europe internationale. Ça, c'est juste. Ouais. C'est les coupes pour l'argent. La Coupe d'Écosse. Coupe d'Écosse, voilà. Ce sera face au Celtic, les demi-finales.
Et Dundee United se battra contre Ross County. C'était battu contre eux juste avant, là, juste là. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à partager cette vidéo, bien sûr. Et je crois que j'ai rien oublié. Allez, à plus tout le monde.